parti pour la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées dans l'Ain. La première chose que nous avons faite, c'est de se retrouver tous ensemble autour d'un petit déjeuner convivial pour s'expliquer toutes les actions que nous allions avoir ensemble et créer une véritable dynamique autour de cette semaine pour l'emploi. Bonjour, la semaine de l'emploi pour les personnes handicapées a commencé. Cette année, c'est une semaine qui est aussi européenne. Et dans ce cadre-là, ça fait 2 ans que l'ADAPT a mis en place une action qui s'appelle Handicap Entreprise, c'est-à-dire que les stagiaires vont vers l'entreprise. Donc, ils sont attendus par des entreprises lambda, que ce soit dans le public ou dans le privé, où ils vont pouvoir échanger sur le métier que font, qu'exerce l'entreprise, ainsi que sur le handicap. Bonjour. Chez Metro, nous allons proposer 3 ateliers différents pour sensibiliser aux handicaps. Là, nous sommes à Decathlon Viria. Nous sommes ici pour une action de sensibilisation autour du handicap avec une démarche pour le public de Decathlon, les clients. Essayer les sensibilisations à différentes situations qu'il pourrait vivre ou qu'une personne handicapée vit dans son quotidien, notamment l'achat des vêtements de sport ou le matériel. Donc pour cela, on a créé 4 ateliers pratiques avec les fauteuils, avec des béquilles, pour exploiter la vision également. Et puis on va surtout intervenir autour des préjugés. On essaie de faire changer le regard autour du handicap en se faisant interroger les personnes sur leurs propres ressentis et en essayant de les faire évoluer. Et encore ici, il n'y a pas véritablement d'obstacle comme dans la rue, avec des voitures, avec des vélos, avec des piétons, des poussettes. Là, on est dans des lieux relativement dégagés, mais vous avez vu, quand je suis rentré dans le bureau, je me suis fait coincer par un fil électrique qui est en travers.